C'est le moment où nous devons ramener au souvenir la parole pour ne pas laisser ces paroles s'échapper de notre bouche, de notre pensée. Que si les anges ont entendu parler de cela et qu'ils l'ont dit, et ce qui a été dit a été resté si ferme, la transgression de toute désobéissance a reçu une rétribution juste. Il dit maintenant, comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous ignorons, si nous laissons cela passer, si nous méprisons cela, nous ne rejetons pas cela, nous ne contredisons pas cela, nous ne disons pas que ce n'est pas vrai, nous ne disons pas que nous ne croyons pas en cela, mais nous négligeons cela, nous ignorons cela. Il dit, comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous rejetons, si nous ignorons un si grand salut? Grand salut planifié par le grand Dieu du ciel, grand salut acquis par le grand sacrifice de Jésus-Christ, grand salut révélé à nous par le grand Saint-Esprit de Dieu, le grand salut grand pour nous faire sortir de la terre pour aller au ciel, grand salut qui est capable d'enlever la plus grande montagne de nos vies, grand salut, le grand salut qui est en mesure de nous libérer de la puissance du péché, la plus grande puissance de l'ennemi. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui a été d'abord confirmé par le Seigneur, annoncé par le Seigneur? Vous savez, le salut dont nous parlons, ce n'est pas une chose nouvelle. Ce n'est pas un nouveau salut, ce n'est pas un salut de la nouvelle génération, ce n'est pas un salut, ce que nous n'avons pas connu, c'est le salut que Jésus a annoncé lui-même. Et c'est le même salut que Jésus a pourvu pour nous, un grand salut. Qui a été annoncé d'abord par le Saint-Esprit et a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Voici le même salut que l'apôtre a reçu de Christ, le même salut qu'ils ont présenté en nous, le même salut que les ministres de l'Évangile dans le Nouveau Testament, dans le premier centenaire. Et c'est la même chose qu'ils ont entendu, le même salut que Martin Luther King a prêché, le même salut que John Wesley a prêché, le même salut que tous ces grands hommes de Dieu ont servi le Seigneur depuis ce temps jusqu'à maintenant, ce qu'ils nous ont révélé. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Non seulement cela, Dieu même l'a témoigné en confirmant cela avec des signes et des prodiges, avec de divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous n'allons pas négliger cela. Moi, je ne négligerai pas cela. Je ne vais pas rejeter cela. Je ne vais pas ignorer cela. Je vous parle ce soir de le chemin divinement révélé pour échapper au jugement éternel. Le chemin divinement révélé pour échapper au jugement éternel. Le chemin divinement révélé. Nous considérons trois choses. Numéro 1, nous parlons de l'incomparable portail pour l'échappatoire final. Il y aura un jugement. Il y aura un jugement éternel. Et ce jugement de Dieu qui va descendre, c'est un jugement qui va descendre sur la terre. Et il y a un portail par lequel il faut passer pour échapper à ce jugement final. Nous parlerons de le portail incomparable. Il n'y a pas un autre portail qui soit comparé à ceci. Il n'y a pas une alternative. Ça, c'est le chemin, le seul chemin, le portail incomparable à l'échappatoire final. Numéro 2, nous parlerons de ce portail, le portail non remplaçable pour l'échappatoire futur. C'est-à-dire quoi? Lorsque le futur va venir, lorsque le jour de jugement va arriver, l'échappatoire au niveau du futur, dans le futur, il y a une seule voie, un seul portail pour échapper à cela. Et c'est irréplaçable, c'est non remplaçable. La nouvelle génération n'est pas venue et dit, oh, voilà, ça là, c'est là pour l'ancienne génération. Et cela, ça c'est pour nos parents, nos grands aïeuls. Et ça là, c'est pour des gens qui sont partis très longtemps. Nous sommes venus maintenant dans un nouveau jour. Nous sommes venus maintenant pour découvrir une chose nouvelle. Non, 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 non. Il dit que voici le chemin et c'est la bonne voie qui est non remplaçable pour le futur, pour l'échappatoire futur. Et point numéro 3, nous parlerons de
le chemin de l'évangile incorruptible. Le chemin de l'évangile incorruptible, ça c'est le chemin que l'évangile a tracé pour nous. Et l'évangile a dit, voici le chemin. Jésus a dit, voici le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Ça c'est le chemin de l'évangile incorruptible pour une pleine évasion. Une pleine évasion. Vous allez échapper au jugement finalement. Vous allez échapper au jugement maintenant. L'échappatoire pour fuir les conséquences du péché maintenant et également les condamnations du péché dans le futur. Le total, complètement et l'échappatoire final de cet évangile, le chemin de l'évangile incorruptible pour une pleine évasion. Nous parlons du point numéro 1 maintenant dans ce message, le chemin divinement révélé pour échapper au jugement éternel. Le point numéro 1, le portail incorruptible à l'échappatoire final. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et comme nous parlons de l'échappatoire, voici l'échappatoire de ce jugement, ça n'a pas commencé maintenant. Dans le Nouveau Testament, si vous retournez dans Genèse chapitre 19, vous allez découvrir que voici, c'est à cause de cela que le passage est en train de dire que ceux qui ont négligé le salut, ceux qui ont refusé la parole prononcée par les anges, ils ont payé chèrement pour cela. Regardez Genèse 19 et le verset 12. Genèse 19 et le verset 12. Il dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu ici encore gendre? Les anges ont parlé à Lot et ils ont dit, as-tu encore ici quelqu'un, gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Le jugement est descendu sur eux. La dévastation est descendue sur eux. La dévastation, la condamnation du feu qui devait descendre ici sur la terre sur eux et pour l'éternité descendra sur eux. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Il leur a parlé, « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Ce n'est pas une décision par les anges, c'est le Dieu lui-même qui a envoyé ses anges pour avertir, pour amener le message. Et Lot avait compris le message que le Seigneur l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ils ont négligé le message. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Et dès l'aube du jour, les anges insistèrent. Ceux à qui on se réfère comme les hommes, au verset 12, les hommes dirent, on les connaît maintenant que ce sont des anges. Dès l'aube du jour, le verset 15, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Il parlant de l'échappatoire, échapper à ce jugement, échapper aux conséquences de l'iniquité de ce peuple. Et comme il tardait, les gens peuvent tarder, j'ai entendu, je vais penser à cela, j'ai entendu, je vais prier à propos de cela, un jour je vais décider, j'ai entendu, et ils sont en train de tarder encore, et les gens vont descendre dans le jugement parce qu'ils sont en train de tarder. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas, ce n'est pas parce qu'ils ont rejeté cela directement, mais ils sont en train de tarder, et comme ils tardaient, les hommes le saisissent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Le salut est par la miséricorde de Dieu, le salut est par la grâce. Et ils l'amenèrent, et c'est ce qui a été manifesté à l'autre serf, sa femme et ses deux filles. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Regardez ce qu'ils ont dit. Après les avoir fait sortir, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie,
regardez la miséricorde de Dieu. Sauve-toi pour ta vie. Il y a deux facettes de l'échappatoire. Numéro 1, la miséricorde de Dieu. Numéro 2, ta propre décision, ta propre réponse. Et ta décision de prendre cela à main, de ne pas se perdre. De ne pas te perdre. Il y a des gens qui disent, s'il veut me sauver, il n'a qu'à me sauver. Jésus-Christ est miséricordieux. Jésus-Christ est rempli de grâce. Il est mort à la croix du calvaire. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent, oui, leur évangile, c'est l'évangile de... C'est fait. C'est fait. Vous n'avez rien à faire. C'est fait. Vous n'avez pas besoin de vous repentir, pas à croire, pas d'échapper. Vous pouvez tarder, vous pouvez dormir, nager, mourir dans le péché. Vous pouvez commettre autant de péchés que vous voulez. Cela ne veut rien dire parce que cela a été déjà fait. Non, non, c'est fait, mais vous devez faire quelque chose d'autre vous-même. Voilà pourquoi il a dit ici, Lot et sa femme et ses deux filles, ils avaient la responsabilité de faire quelque chose. Après les avoir fait sortir, verset 17, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Voyez-vous cela. Bien que la miséricorde de Dieu t'ait démontré, si tu ne fais pas ce qui te revient, alors tu vas voir ce qui va se passer maintenant, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle n'a pas échappé pleinement, mais Dieu merci, moi je vais échapper pleinement. Regardez Jude, faisant allusion à ce que nous venons de lire, Jude, verset 7, la Bible dit... Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent contre comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont tombés en exemple subissant la peine d'un feu, un tel feu, quelle sorte de feu? Un feu éternel. Ils n'ont pas échappé, tous ces gens dans Sodome. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit maintenant que nous avons quelque chose à faire. Et vous devez le faire urgemment. Vous devez le faire urgemment. Et donner à ce que vous avez entendu votre décision afin d'échapper à ce jugement final. Job chapitre 11. Nous parlons de ce portail incomparable à l'échappatoire final. Job 11, le verset 13. Il dit, pour toi dirige ton cœur vers Dieu. Étends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité. Et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Il dit que s'il y a l'iniquité dans notre pensée, dans notre main, même si vous dites que vous êtes sauvé ou pas, ce n'est pas le problème maintenant. Que vous dites, j'étais dans l'église depuis très longtemps, ce n'est pas ça le problème. Si l'iniquité est dans tes mains, je viens à l'église tous les jours. Si l'iniquité est dans tes mains, je suis même un ouvrier. Si l'iniquité est dans tes mains, il dit, le Seigneur ne regarde pas à ta dénomination d'église. Il ne regarde pas à ton domaine de service. Il ne regarde pas au titre que tu portes. Il ne regarde à quoi que ce soit d'autre. Il dit que si l'iniquité est entre tes mains, éloigne cela de toi. Que l'iniquité ne cause pas ta ruine. Que le péché ne cause pas ta ruine. Que la méchanceté ne demeure pas dans ta maison. Verset 20. Car les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. Que celui qui dit qu'il a un grand ministère, celui qui dit qu'il a un grand privilège, et malgré cela, il y a la méchanceté, le péché, l'iniquité dans sa vie, il dit, il ne va pas échapper. Et la mort, voilà leur espérance. Dieu merci, vous avez échappé. Dieu merci, nous avons échappé. Ah, c'est seulement la main de ceux qui ont échappé. Voilà, nous voyons maintenant Ézéchiel chapitre 17.
Ézéchiel, c'est le chemin, le chemin, le portail de la repentance, le chemin, le portail de se détourner de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est au contre la volonté de Dieu. Le sang de Jésus-Christ vient et vous lave de tout péché et vous purifie et fait de vous des gens qui sont présentables devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Ézéchiel chapitre 17, le verset 18. Ézéchiel 17 et le verset 18. Il a méprisé le serment. Il a rompu l'alliance. Il avait donné sa main. Et il a fait tout cela. Il n'en échappera pas. Voyez-vous cela, il y a des gens, ils ont basé le salut éternel sur la décision du moment. J'ai levé ma main. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai dit oui au Seigneur et j'ai temporairement, en ce moment, je m'étais repenti et je lui ai demandé de venir dans mon cœur. Cette décision du moment, ils ont pensé que après cette décision, tu peux faire tout ce que tu veux faire. Tu peux briser cette alliance, tu peux oublier ton engagement au Seigneur, tu peux oublier l'œuvre de la grâce et cette œuvre que Dieu a faite dans ta vie. Et va aller, tu peux aller de l'avant et vivre comme tu veux, faire les choses comme tu désires et pécher comme tu veux. Il a brisé l'alliance, il dit qu'il ne va pas échapper. Le chemin de l'échappatoire, c'est que nous nous assurons que nous sommes sortis et que nous marchons dans cette voie qui conduit à la vie éternelle. Verset 19, il a méprisé le serment, il a rompu l'alliance, il avait donné sa main. Et il a fait tout cela. Il avait donné son cœur au Seigneur, sa main au Seigneur. Il a dit, oui Seigneur, je t'appartiens. Tu es mien, je suis tien. Et après cela, il a fait toutes ces choses. Il n'échappera point. Verset 19. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je suis vivant. C'est le serment fait en mon nom qu'il a méprisé. C'est mon alliance qu'il a rompu. Je ferai retomber cela sur sa tête. Il nous dit ici quoi? Qu'il y a une voie par laquelle il faut passer. Et pourquoi on nous a dit dans Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, le verset 25. Hébreux 12 et le verset 25. Verset 25, la Bible déclare: gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Il dit, il continue de parler. Il n'a pas seulement parlé autant nous étions de nouveau, autant vous étiez convertis. Il continue de parler jusqu'à aujourd'hui. Et il dit, voici le chemin, marchez-y, voici ma parole, levez-vous, obéissez à cette parole, et voici ma volonté, faites ma volonté, accomplissez ma volonté. Voyez-vous cela, ne refusez pas d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusaient d'entendre, car si ceux qui refusaient d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien nous échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Voyez-vous cela? Il y a certaines personnes qui lisent la Bible de façon sens dessus. Ils ont dit qu'ils sont allés au séminaire. Ils veulent dire qu'ils sont allés à la théologie, à une école biblique, et qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela, et qu'ils ont cette compréhension de ce verset, cette perspective et cela. Ils vont dire, vous savez, l'Ancien Testament, c'était le moment où il devait faire ceci, il devait faire cela, il devait être juste, libéré de ceci, libéré de cela, et s'il n'a pas fait cela, le jugement allait descendre sur eux. Mais ils disent, maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, le Nouveau Testament. Une fois que vous donnez votre vie à Christ, c'est fini, c'est terminé. Tout ce que vous voulez faire, allez-y seulement. Cela ne veut rien dire. Ils ont dit que même si tu rentres dans le péché, parce que tout le monde, selon eux, va continuer de pécher. Ils disent que cela ne veut rien dire. Que Dieu regarde seulement à ceux-là au travers de Jésus-Christ. Et il leur a pardonné tous les péchés que vous aviez commis, les péchés que vous commettez et les péchés que vous allez commettre dans le futur. Ils ont dit que le passé, le présent, le futur, que tous ces péchés sont pardonnés. Vous avez la liberté de continuer de pécher. Il vous a donné la liberté même avant que vous ne commettez le péché. Ils vont magnifier la grâce de Dieu de ce point. Regardez cela, il dit, vous ne devez pas refuser les nouveaux
les chrétiens du Nouveau Testament. Il dit, celui qui parle encore aujourd'hui, il a parlé, il continue de parler. Il dit, voici ma parole, voici ma volonté, voici ce que vous devez savoir. Et si vous, ceux-là n'ont pas pu échapper dans le passé, ceux qui ont refusé ce qu'il a dit, combien nous, combien moins échapperons-nous, nous qui sommes dans le Nouveau Testament, combien moins nous échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Il dit, celui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et voici ce qu'il a dit, ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, il dit, comme nous voulons avoir l'échappatoire final, nous recevons un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance et en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Nous avons la grâce qu'il faut aujourd'hui pour faire de nous l'homme, la femme, le croyant, la croyante que nous devons être. Il dit, nous devons avoir la grâce afin de pouvoir servir Dieu et lui rendre un culte raisonnable, un culte avec piété et avec quoi? Crainte. Verset 29, numéro 29, maintenant tout le monde, 1, 2, partez. Lisez-moi ça, 1, 2, go. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Lisez-moi ça encore. Maintenant, dites-moi ce verset, est-ce que c'est le passé ou le présent? C'est le présent. Car notre Dieu est, il n'était pas, il est aussi un feu dévorant. Le Dieu de l'Ancien Testament est-il différent du Dieu du Nouveau Testament? Non, pas du tout. C'est le Dieu de la colère, le Dieu de la justice, le Dieu qui règle le péché. Mais vous savez, les gens de ce Nouveau Testament, selon eux, c'est un Dieu indulgent. C'est un Dieu indulgent. C'est un Dieu qui laisse passer le péché. C'est, vous pouvez même pécher devant lui comme ça et il va mépriser, il ne veut pas regarder à cela. Il va dire, oh, vous êtes déjà pardonné pour toujours, jamais. Jamais. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu qui a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Je suis Dieu, je ne change pas. Et ceci est en train de nous dire, à propos de notre Dieu, il est aussi un feu dévorant. Je prie que ce feu ne vous consume pas. Nous verrons maintenant dans Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Matthieu 7, verset 13. Il dit, le verset 13 dit, entrez par la porte étroite, car voici le chemin pour entrer dans le royaume des cieux, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je prie que vous soyez parmi le peu, au nom de Jésus. Jérémie chapitre 48, le verset 19. Jérémie 48, le verset 19. Jérémie 48 et le verset 19. Tiens-toi sur le chemin et regarde, habitant d'Aroën, interroge le fuyard, le réchappé, demande, recherche. Vois, qu'est-il arrivé? Interroge le fuyard, le réchappé, demande, qu'est-il arrivé? Interroge le fuyard, interroge le réchappé, interroge, demande, qu'as-tu fait pour échapper? Qu'est-il arrivé pour que tu échappes à la dévastation, au jugement? Il dit, ce n'est pas seulement le dit à ton niveau, penser cela dans ta pensée seulement. Il dit, je pense que je vais échapper, je pense que c'est ce que je vais faire. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur l'Éternel. Posez la question aux autres qui ont pu échapper, le peuple qui a fui le jugement de Dieu. Posez-leur la question. Demandez à Isaïe, il vous le dira. Posez la question à Jérémie, il vous le dira. Demandez à Ézéchiel, il répondra.
posez la question à ceux-là. Paul, il va vous répondre. Demandez à Pierre, il va vous répondre. Vous pouvez demander à Jean, il le dira également. Le peuple qui a échappé au jugement de Dieu et qui ont reçu la miséricorde de Dieu et qui sont maintenant dans le royaume de Dieu, ils étaient dans le royaume ici, le royaume évangélique. Maintenant, ils sont dans le royaume là-bas, le royaume éternel. Et il leur posait la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils échappé? Et cela m'amène maintenant au point numéro 2. Ça, c'est le point numéro 2, c'est le portail non remplaçable pour l'échappatoire futur. C'est un chemin, un portail qui ne peut pas être changé. On ne peut pas, il n'y a pas une alternative à cela. Je prie que vous marchiez dans cette voie au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Il dit verset 16. Ce qui suit, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes, pas seulement pour votre corps, mais pour votre âme. Vous aurez le repos pour votre âme. » Mais qu'est-ce que Ésaïe a dit à propos de la voie? Vous voulez échapper, vous voulez sortir de ce jugement? Vous voulez la vie éternelle, vous voulez que l'échappatoire vous soit donné et que la mort éternelle ne descende pas sur vous, que vous ne périssiez pas pour toujours. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Il dit que nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voici ce que Ésaïe est en train de nous dire. Il dit que l'agneau qui a ôté le péché du monde, il arrive, il vient. Et lorsqu'il va venir, au travers le châtiment qui descendra sur lui, nous aurons la paix. Et par sa maîtrise, notre âme, notre corps, notre esprit, tout ça sera guéri. Parce que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était opprimé, il était affligé, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Il était amené comme une brebis muette devant celui qui le tonde. Et il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été maltraité. Il a été enlevé de la prison. Il a été enlevé de la prison. Et qui, parmi sa génération et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Il a porté la douleur. Il a porté le châtiment. Il a porté la douleur. Et il a frappé, il a été frappé de son peuple, il a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Il parle de sa mort. Il parle de sa résurrection maintenant. Il le proclamera. Il verra une postérité, prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Ça, c'est la bonne voie dont parle Ésaïe. Dit, voici l'agneau. Et c'est le sacrifice final, c'est le sacrifice plein, et c'est lui qui a accompli totalement la demande de Dieu juste. Et vous pouvez aller vers lui et avoir tous vos péchés pardonnés, parce que les péchés seront déposés sur lui. Jérémie 18. Jérémie chapitre 18, le verset 5. Jérémie 18, verset 5. Jérémie 18, verset 5. 18, verset 5, on nous dit que « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette famille, si cet individu, n'importe qui, sur laquelle j'ai prononcé, revint de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Ça c'est la voie,
Nous devons nous détourner du mal. Le pécheur doit se détourner de la méchanceté. Le retraitant doit se détourner de la méchanceté. Le croyant négligent, qui a négligé le salut, doit se détourner de sa négligence. Celui qui vit au jour le jour et qui ne pense pas au salut, il pense que le salut est là, le salut est sécurisé, tout ce que je fais, ça importe peu. Il mène la vie de façon négligente. Il n'arrive même pas à prier le matin. Ils n'ont même pas le temps pour lire la Bible personnelle, à moins de ce qu'ils entendent à l'église. Ils n'ont rien d'autre à faire. Il dit que si cette personne, cette nation contre laquelle j'ai prononcé de faire le mal, s'il se repent de sa méchanceté, je me repens aussi du mal que j'ai prononcé ou que j'ai voulu lui faire. Verset 9. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume de bâti, une famille, un individu d'un royaume de bâti et de planté. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, s'il prend ma grâce pour la licence, pour la permission, s'il prend ma promesse pour la permission, s'il prend ma bonté pour la permission, s'il prend ma miséricorde pour la permission, ce que j'ai déclaré, j'ai dit que je vais le planter, je vais dire que je vais le bâtir, s'il fait du mal à mes yeux, ce n'est pas aux yeux de l'homme. Les hommes peuvent dire, oh, ça ne fait rien, tu fais bien, vas-y seulement, tu as toujours bien fait. Il y a des gens, ils vont dire, mon frère, tu sais quoi? Viens, j'ai besoin de toi ici. Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Tu me connais, non? Tu sais comment je fais les choses, et tu sais les choses, les endroits où je vais. Donne-moi une évaluation honnête de ce que tu penses de moi. L'autre ne veut pas t'effoncer, il sait, il connaît ton caractère, il connaît ta disposition. Il va dire, oh, en tout cas, de tout ce que je peux voir, je crois que tout va bien. Dis-moi la vérité. Je veux la vérité. Moi, je te dis ce que je vois, je ne sais pas ce que je peux avoir, mais pour ce que je vois, je sais que tout va bien. Ils peuvent dire que tout va bien. Toi-même, tu peux penser que tout va bien. Mais si tu fais le mal à mes yeux, c'est le Seigneur qui évalue nos vies. Si tu fais le mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien. Je reverse le bien. Je remplace le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ça, c'est la voix du Seigneur. C'est la bonne voix du Seigneur, ça. Il dit maintenant, Ézéchiel 18, le verset 29. Ézéchiel 18, le verset 29. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pourquoi je vous jugerai, maison, chacun selon ses voix. Maison d'Israël, oh, le choisi, le bien-aimé, je vais vous juger. Le peuple acquis de Dieu, je vais vous juger, maison d'Israël. Chacun selon ses voix, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Ça, c'est la voie, la bonne voie du Seigneur. Si nous voulons posséder l'échappatoire final, l'échappatoire futur, loin du jugement de Dieu, repentez-vous, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est très clair dans la parole de Dieu. C'est quoi la voie? C'est très clair là. Regardez Osée 10. Osée 10, verset 13 et verset 12. Osée 10, verset 13. Il dit, vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, malgré manger le fruit de mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Ceux qui s'entourent de puissants hommes, comme des brebis protégées. Allez-y, faites ce que vous voulez faire, nous allons vous protéger. Tout est sécurisé. Mais vous savez,
le jugement de Dieu va venir. Et ceux qui encouragent d'autres à aller commettre les crimes, vas-y, allez-y, faites cela, faites cela. Les autres peuvent s'asseoir à la maison et dire, allez-y, faites seulement. Nous sommes au contrôle, nous sommes là, c'est nous qui possédons tout, c'est nous qui contrôlons tout. Si vous faites ce que vous voulez faire, si cela doit vous amener à au commissariat, appelez-moi seulement. Je vais appeler quelqu'un et vous serez relâché. Mais vous savez, Dieu ne va pas regarder à cela et dire, c'est tout va bien, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme d'autorité, il est supporté, ils sont en train de supporter cette femme, cet homme. Le jugement va venir. Vous n'avez pas cru en ça? Vous ne croyez pas à cela? Je dis, le jugement va venir. C'est où la voie pour l'échapper? Il dit maintenant, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Si votre cœur est dur dans le péché, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Je prie que cela soit accompli dans nos vies. Venez maintenant dans le Nouveau Testament. Nous venons dans Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12. Nous lisons là le verset 14. Marc 12 et le verset 14. Marc 12, verset 14. Il dit, et il vint lui dire, Maître, ils ont prié, ils ont parlé à Jésus. Maître, nous savons que tu es vrai. Ce qu'il voulait dire, il a dit que c'est vrai, que Jésus est le vrai, il est le transparent, il est le digne de confiance. Et que tu ne t'inquiètes de personne, bien qu'ils avaient leur propre intention à dire ce qu'ils disaient. C'est vrai à propos de Christ. Il ne se préoccupe pas des gens et qu'il ne regarde pas l'apparence des hommes. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Il enseigne la voie de Dieu selon la vérité. C'est lui qui révèle la volonté de Dieu pour nous et qui nous montre le chemin sans regarder à la personnalité de qui que ce soit. Voici leur question. Il dit, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Verset 17. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi? Votre temps dans le lieu de travail, ça c'est pour César. Votre responsabilité dans la communauté, c'est pour César. Toutes les choses qu'il vous faut faire dans votre communauté, dans votre zone d'habitation, les choses sociales, les choses physiques, les choses personnelles, ou quelle que soit la chose, les contributions à faire dans le développement de cette communauté, ça c'est pour César. Donnez ça à César. Mais à Dieu, ce qui est à Dieu. Ça veut dire quoi? Votre cœur. Il vous a créé. Et il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur, ta volonté, afin que tu viennes sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Tu ne dois pas soumettre ton cœur à César. Tu ne dois pas de soumettre ta volonté à César. Ta volonté de plaire à Dieu dans toutes choses. Parce que c'est à cela qu'il t'a appelé. À tout moment, tu ne dois pas plaire à toi. Tu ne dois pas plaire à toi-même. Plaire à la société. Plaire à qui que ce soit. Il n'y a pas de moment que tu vas plaire à Satan. Il y a cette volonté de Dieu à laquelle tu dois plaire lorsque tu es sur cette terre. Et lui donner la gloire qui est due à son nom. Et là, ce qui est dû à César, donne-le à César. Et ce qui est dû à Dieu, donne-le à Dieu. Ton amour, ton cœur, toute ta pensée, tout ton esprit, ton adoration, ta dévotion, ton service que tu dois donner tout entier, sans réservation à Dieu. Donne cela à Dieu, les choses qui sont pour Dieu. Ça, c'est le chemin. Et c'est ce qu'il a acquis pour nous. Et je prie que cette volonté, cette nouvelle que nous savons, nous allons suivre cela au nom de Jésus. Hébreux 10, le verset 19. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Nous devons entrer dans le sanctuaire, le lieu saint. Pas la nouvelle
Il dit que nous allons dans un lieu éternel où il y a la terre sainte et c'est les anges saints et c'est Jésus saint et c'est une et les personnes saintes qui sont parties avant nous. Tout ce qui est là-bas est saint. Et pour que nous puissions parvenir en ce lieu, nous devons entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous. Voici le chemin. Approchons-nous. Donc, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, nos consciences ne doivent pas demeurer dans une conscience mauvaise, une conscience sale ou entraînée à faire le mal. Et la conscience ne peut pas nous entraîner, nous défier, non. Nous devons être purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé du nom au pur. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous devez tenir ferme et passer au travers au nom de Jésus. Hébreux 3, verset 10. Il nous dit au verset 10, « Aussi, je fus irrité contre cette génération. » C'est lui qui parle. « J'étais irrité. » Il les a délivrés. Mais il dit « J'étais irrité contre cette génération. » Il a envoyé un leader. Il leur a envoyé Moïse pour les faire sortir du pays d'Égypte. Malgré cela, il dit « J'étais irrité. Je fus irrité contre cette génération. » Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Leurs pensées, leurs décisions, leurs aspirations, leurs pensées, leurs ambitions et la volonté de leur cœur, ils errent toujours. Ils s'égarent toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. La conclusion, c'est quoi? En regardant à cette génération, il dit maintenant, prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule. Qu'est-ce qui suit? Je ne sais pas si vous lisez ce livre qu'on vend au bord de la voie, ou qu'on vend au marché, ou qu'on vend dans ces lieux. Ils vont dire que voici la librairie chrétienne. Ce que vous allez voir là-bas, vous voyez des livres et vous achetez. Vous avez acheté le livre et ils vont vous dire qu'ils vont vous montrer le chemin de la Dieu. Et ce chemin de Dieu, il n'y a rien qui soit semblable à cela. Après que vous avez connu le Seigneur, c'est fini. Vous avez connu le Seigneur, c'est la fin. Vous avez connu le Seigneur, c'est pour toujours. Vous ne pouvez jamais. Ils vont répéter. Je me répète encore. Et ils vont mettre cela en italique. Ils vont mettre cela en grand caractère. Il dit, dès que vous êtes rentré, vous ne pouvez jamais sortir. Ça, c'est une fausse conception. C'est faux. Ce n'est pas le chemin. Regardez le chemin ici. Il dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Tu es venu par ta décision. Tu peux aussi sortir par ta propre volition. Ça veut dire quoi? Que tu dois décider que je suis venu et je veux rester. Je veux rester. Verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu, il y a une condition. Nous sommes faits participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions eue au commencement. Je crois et je prie que non seulement que j'espère, je prie que le voyage que vous avez entrepris, vous n'allez pas vous arrêter à mi-chemin au nom de Jésus. Je vous verrai au point final de la victoire. Je vous verrai au temps où vous allez passer par ce portail. Vous me verrez et je vous verrai et nous dirons, frères et sœurs, nous avons échappé au jugement final. Vous allez échapper. Je dis, vous allez échapper. Point numéro 3 maintenant, nous parlerons du chemin de l'évangile incorruptible pour
une pleine évasion. Une pleine évasion. Vous allez échapper aux attirances du diable. Vous allez échapper au contrôle des esprits mauvais. Vous allez échapper à la corruption du péché. Vous allez échapper à tous les crimes de la société. Vous allez échapper aux condamnations qui vont venir sur les pécheurs au dernier jour. Gloire au Seigneur, vous allez échapper. Le chemin de l'évangile incorruptible pour une évasion pleine. Nous voyons maintenant l'évangile dont nous parlons. Regardez dans Romains 1. Romains 1, 15. Romains 1, verset 15. Romains 1, verset 15. Romains 1, verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile, c'est le chemin de l'évangile qui fera, qui permettra aux gens d'échapper au jugement qui vient sur la terre et pour également l'éternité. Il dit car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous vivrez par la foi. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1, l'évangile. Chapitre 15 de 1 Corinthiens, le verset 1. L'évangile, le chemin de l'évangile incorruptible pour une pleine évasion. Ça veut dire quoi? Le verset 15 ici, chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ça, c'est quel évangile là? J'ai prêché l'évangile. Vous l'avez reçu et vous devez persévérer dedans. Ce n'est pas que vous avez reçu et vous allez aller, vous allez laisser partir. Vous avez entendu, vous avez reçu, vous devez demeurer dans ça. Par lequel vous avez été sauvé. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. L'évangile, ce n'est pas que vous allez changer une nouvelle vie. Non. Ce n'est pas que je vais prendre des résolutions. Non. L'évangile, ce n'est pas que je rendrai ma vie meilleure. Non. L'évangile, je vais me sauver moi-même. Non. C'est ce que Christ a fait. Tu dois te plonger dans ça. Dans ce que Jésus a fait, il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il a fait cela pour vous. Je dis, il a fait cela pour vous. Et si vous êtes la seule personne qui croit en cela sur la terre, vous allez parvenir au ciel. 1 Thessaloniciens 1, le verset 5. Le chemin de l'évangile. Le chemin de l'évangile qui nous donne l'évasion totale. L'évangile qui nous apporte l'échappatoire final. 1 verset 5. Il dit, car notre évangile ne vous est pas parvenu seulement. Dans notre évangile ne vous est pas été prêché en parole seulement. Mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous et vous-même. Vous avez été mes imitateurs. Vous avez cru à cela. Vous avez choisi cela. Vous vous êtes détournés de vos péchés. Et vous êtes sortis de l'opinion que vous aviez avant de devenir pour le Seigneur. Et en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet
quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est l'effet de l'évangile. C'est l'effet de l'évangile. Voici ceux-là qui ont échappé. Ils ont écouté à propos de l'évangile. L'évangile à propos du Dieu vivant, à propos du Dieu qui est le vrai. Ils ont abandonné les dieux des peuples. Ils ont abandonné les dieux morts. Ils ont abandonné les dieux des païens. Ils se sont détournés pour venir vers le Dieu vivant et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Parce qu'ils ont cru, ils ont été délivrés de la colère à venir. Je prie que la colère à venir ne soit pas partie de votre vie. Nous voyons 1 Pierre 4:17 dit que le temps est venu et le jugement de Dieu doit commencer dans la maison de Dieu. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pourquoi? Je croyais que les prédicateurs sont en train de nous dire que quand vous donnez votre vie à Christ, une fois que vous avez levé la main, l'autre fois, à la croisade, avez-vous fait cela? Vous allez dire oui, vous allez dire, oh, c'est terminé. Tous vos péchés ont été jugés. Plus de jugement pour vous. Il n'y a plus d'examen. Non, il n'y a plus d'évaluation à faire pour vous. Maintenant, est-ce que tu viens de la maison de Dieu? Oui, je viens. Ah, c'est très bien ça. Tes péchés ont été déjà jugés en Christ. Quel que soit ce que tu fais maintenant, quel que soit là où tu vas maintenant, quel que soit ce que tu fumes maintenant, quoi que ce soit que tu bois maintenant, quel que soit le nombre de femmes que tu touches, à part ta femme personnelle, cela ne veut rien dire. Parce que tout a été jugé en Christ. Et laissons ces bêtises. Et laissons ces gens qui sont dans l'aberration. Des choses erronées qui sont en train de prêcher. Regardez la parole de Dieu. Regardez encore. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Oh, si c'est par nous qu'il commence. C'est par nous qu'il commence, serviteurs de Dieu, saints de Dieu, croyants, ministres. Si cela commence avec nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Regardez, n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Croyez seulement. Ils ont dit ce qu'il faut faire, c'est seulement de croire. Est-ce que tu crois? Tu as cru, non? Tu as cru, c'est bon. Mais non, ce n'est pas assez. Il faut croire, c'est vrai, mais il faut obéir. Il y a une partie de l'évangile qui demande l'obéissance au commandement de Dieu et les prescriptions de l'évangile. Ce que Jésus a prescrit dans l'évangile, nous devons croire la grâce de Dieu et nous devons obéir au commandement de Dieu qui est dans l'évangile ou qui sont dans l'évangile. Il dit que ça commence par nous. Quelle sera alors la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je prie que vous ne demeurez pas impie. Vous n'allez pas demeurer pécheur. Et cet évangile va continuer d'œuvrer de façon efficace dans votre vie, dans ma vie, dans nos vies, ensemble au nom de Jésus. Amen. Hébreux chapitre 4, le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Il dit, comme nous lisons la totalité de la parole de Dieu et que nous voyons les exigences non compromettantes de Dieu, il dit, nous devons avoir la peur. C'est-à-dire, ce n'est pas la peur pour le péché, mais la crainte de Dieu, la révérence à Dieu. Nous devons avoir cette crainte-là afin qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi, bien qu'à eux. Mais
la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de foi, de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il dit, c'est bon, l'entendre c'est une chose. Permettre à ce que cela vienne vers vous, et que vous avalez cela, vous préparez cela, vous digérez cela, vous assimilez cela, et vous permettez à ce que cela s'ajoute à votre foi, et que votre cœur dise, je crois à cet évangile, toute la parole qui sort de ça. Si cela n'arrive pas, alors vous allez venir trop tard. Parce qu'elle ne trouva pas à chez eux ceux qui ont cru. Ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il a dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Verset 11. Alors, empressons-nous. Empressons-nous donc. Engageons-nous donc. Donnons-nous à cela, à l'évangile donc. Empressons-nous donc, essayons d'entrer donc. Essayons donc, approchons-nous donc, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Moi, je ne vais pas tomber. Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi. Comment est-ce qu'on demeure fort dans la foi? Demeurons fermes dans la foi. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Comment le faisons-nous? Il dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec comment assurance du trône de la grâce. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour du jugement. La miséricorde de Dieu est encore là, nous appelant, nous donnant l'injonction de venir pour sortir et venir recevoir toute la grâce qu'il nous faut pour sortir de tout ce que nous devons sortir et être ce que nous devons être. Alors, venons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tout ce dont vous avez besoin cette nuit, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la bonté de Dieu, toutes ces choses vont couler dans votre vie, dans votre cœur au nom de Jésus. Il va vous fortifier, il vous rendra fort. Et la capacité, la foi pour demeurer ferme jusqu'à la fin, il va nous l'accorder au nom de Jésus. Tous ceux qui ont cru de par le passé et ceux qui sont partis au ciel déjà, ils ne sont pas partis par leur propre force. Ils ne sont pas partis par leur propre essayer et se gêner. Non, ils sont partis par la grâce de Dieu et Dieu n'est pas un Dieu partial. Il est encore là. La grâce est encore disponible pour nous. Et il dit, ma grâce te suffit. Tu es où là? Ma grâce te suffit. Quelle est la tentation? Quel est le trou? Quel est le résultat? Quelle est cette chose qui veut que tu te détournes? Tu ne vas pas te détourner. Il t'a appelé, tu as répondu. Tu iras vers la fin au nom de Jésus. Et tu dois aller dire à ceux-là qui sont dans la cellule de maison et ce que tu vas retrouver et que tu vas confronter, que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Il y a la grâce pour tout pécheur. Il y a la grâce pour tout péché. Il y a la grâce pour tout serviteur. Il y a la grâce pour tout soldat. Il y a la grâce pour tout intendant. Il y a la grâce pour tout serviteur de Dieu et pour tout le monde ici ce soir. La grâce abondante vous attend. Et dès que vous dites, oui Seigneur, je suis ici. Voici ce que je traverse. Il vous aidera et vous fera sortir de cette difficulté. Et vous allez vous réjouir avec lui, sachant qu'il vous a rendu plus fort tous les jours au nom de Jésus. Venons à Dieu maintenant dans la prière. Venons maintenant à Dieu dans la prière. Il dit, approchons-nous avec beaucoup de courage afin de recevoir la miséricorde pour être secouru au temps de besoin. Il vous aidera. Priez maintenant, invoquez le Seigneur et vous accordera toute la grâce qu'il vous faut. Vous n'allez pas échouer, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas vaciller au nom de Jésus.